et bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Oui, on se retrouve sur Frostpunk et oui, je ne veux pas vous laisser sur une défaite. Donc aujourd'hui, on va refaire la fin du scénario. J'ai tout recommencé, normalement tout est nickel à peu près. Donc on va espérer que tout se passe bien, le mieux. Les néo-londoniens arrivent, donc on s'était rendu un petit peu plus loin normalement. Mais faut savoir que j'ai fait un choix, c'est de... C'est de faire ça comme ça et on verra hein, comment on va se débrouiller. Mais je suis donc actuellement en pleine réflexion de comment j'aborde la fin du scénario. Fin qui va être un petit peu tendue hein, si vous voulez mon avis. Voilà, donc il faut vraiment... Là, je vais avoir besoin de gros stocks de bois, de ce que j'ai compris. Donc, on va tenter de les assumer. Et de faire, donc, tout ce qu'il faut pour... pour le travail et tout. Donc, objectif... Alors, construisez un dépôt, tac tac tac, je suis en train de regarder, voilà. Donc, c'est mon deuxième essai, j'ai déjà retesté avant une vidéo qui a échoué malheureusement. Et donc là, on va voir un petit peu ce qu'ils font, ce qu'on fait. Mais je suis dans l'optique de refaire le même choix que la dernière fois, c'est-à-dire laisser mourir la Nouvelle-Londres et essayer de les rapatrier ici, même si ça risque d'être très 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 compliqué. Voilà. Je préfère être honnête là-dessus. Voilà, hop là, surtout que ça refroidit, chauffe et re-refroidit. Donc autant dire qu'on va, on va bien s'amuser là-dessus. Nous allons y réfléchir. Décider l'histoire de la Nouvelle-Londres, j'ai envie de l'attendre un tout petit peu. tout petit peu avant de faire ça. Histoire de gagner un maximum de temps, puisque ça va être une course contre la montre réelle. Le sort de la Nouvelle-Londres. Alors, il va falloir aussi donc créer une quantité d'infirmerie, si j'ai bien compris, assez astronomique. Et on va voir comment on va se débrouiller. Mais voilà. On a donc en gros pour vous résumer un petit peu le scénario actuellement où j'en suis rendu. Donc notre hot spring, on est poteau de fou avec. C'est bon, j'ai tout fait dessus. On est le camp de l'épave qu'on a découvert que bien trop tard la première fois. Bah là c'est bon, maintenant on l'a redécouvert et c'est pas pour me déplaire. Et on va voir un petit peu comment on fait la suite. Mais l'objectif là, ça va être de recréer un peu le. Comment dire ? Ça va être d'améliorer un peu tout. Mon consentement va augmenter. Je fais des sacrifices là pour des raisons extrêmement simples. C'est que j'ai besoin à tout prix des améliorations qui vont arriver. Tac tac tac. Nous ne vous sauverons pas. Nous ne vous sauverons pas, j'ai pas les capacités de les sauver, donc il va falloir que je collecte 200 rations, tac, eux ils vont m'aider, ça c'est cool. Dort, toit ou maison, au froid ou plus au chaud, alors. Ultimement, si j'ai fait l'amélioration, c'est parce que j'ai envie d'essayer de choper le... C'est que j'ai envie d'essayer de choper les maisons directement, ça me simplifierait la vie. Hop là. Le but là, c'est le problème, c'est que la première erreur que j'ai faite, c'est le bois. Le bois, j'en ai... il m'en manquait beaucoup trop. Donc, là, on va avoir pas mal de bouffe qui va arriver. Et on va... Alors... Prochaine journée, on va essayer de créer des infirmeries. Voilà. Donc, garder tous les dortoirs au froid ou plus chaud. Donc, on va devoir être très très efficace au niveau des ressources et tout. Donc, on va voir. Donc, ces maisons-là ne sont pas habitées, mais ça me fait 42 places déjà de fait. Objectif, demain, on va dire après-demain plutôt, on va faire les infirmeries. Enfin, on va mécaniser les infirmeries, on va...
faut que je fasse des noyaux aussi, ça c'est la grosse difficulté. Alors, tac tac tac. Donc au niveau bouffe, on est bien. On va refaire un maximum. Là, au niveau nourriture, ça va avancer. On va avoir... On essaie de vraiment optimiser aux petits oignons. Hein. Tout ce qu'on fait... En bois, j'ai réussi à récompenser par rapport à la dernière fois, qui est, parce que c'est la grosse erreur que j'ai fait la première fois que j'ai repris le scénario. Tech. Alors là-dedans, on a des ingénieurs, autant les footage park que dans les cuisines, hein, puisque c'est pas forcément leur chose la plus intéressante pour eux. Donc, on va voir pas mal de fer. Ok, infirmerie mécanisée, c'est bien. Prochaine journée, on met construisez 20 dortoirs ou maisons. Alors là, faut qu'on... Voilà, donc on va toutes les paquer. Hein, on va toutes les paquer. Hop là. C'est bon. On va, là on en a, hop, on en a 8 de plus. 50 malades viennent d'arriver. Alors, déjà on a les logements. Logements qu'on va mettre à fond. Faut que je reprenne du bois encore. Je reprenne un max de bois. Demain on fait des infirmeries. On en fait au moins une. Si ce n'est deux, ce serait l'idéal. Parce que... Alors, tac, liste d'infirmerie, il faudrait que je les améliore, mais j'ai pas trop le temps pour ça pour le moment. Ça se réchauffe un peu, donc on est pas trop mal. Des maisons ou des dortoirs, donc il nous reste pas beaucoup à faire. Mais au niveau des infirmeries, donc on va en faire... on va faire dès qu'on peut, hein, on va les faire dès qu'on peut. Puisque idéalement, là on va en avoir une. Faut qu'on soigne le maximum de malades, hein, tout simplement. Posséder 5 infirmeries qui fonctionnent. Ça va pas être évident, mais ça peut se faire. Hop là. Niveau production de charbon, on assume encore. Là, faut pas que j'oublie ça. C'est vraiment la chose qui m'est vitale. Il faut que je la produise à fond. Je voudrais voir un truc avec eux d'ailleurs. Communiquer. Besoin de bois, vous nous serez très redevable. Oui, mais en soi c'est on a pas mal de bois qui arrive là. On a pas mal de bois. Bon, après le problème ça va être le fer, mais ça c'est un autre détail. On a les infirmeries qui tournent, il nous faudrait deux infirmeries encore, donc on va refaire une journée. On va faire une rotation d'urgence. Il nous faut deux noyaux. Deux noyaux, puis ensuite on s'occupe du fer. Ça, on réchauffe. Allez, hop là. À fond, on fait du fer. Et on... Faites-nous du fer à fond, s'il vous plaît. S'il vous plaît, hop là. On va la foutre là. Ok. Ça, c'est bon. Ça va être bon. Et on va faire... Hop là. Je vais pas m'occuper de ça maintenant, je peux pas.
J'ai vraiment pas la possibilité. Les réfugiés arrivent. Heureusement que j'ai refait encore des logements parce que là vraiment ça devient compliqué à assumer là. Et c'est ça la grosse difficulté de ce truc. C'est que c'est le plus dur à assumer. Il faut que j'en fasse 6. Là j'en ai 4. Qui sont en cours. On va faire des bras zéro. Bon, on fait un là, un là, un là. Allez, tac, tac, tac. Posséder 200 rations de nourriture. Faut qu'il me faut qu'il travaille, hein. C'est construire 20. Il faut que je construise encore 2 baraques. Non, quelle erreur. Quelle erreur que j'ai pas faite encore. Hop, 2 baraques. Il faut que je les garde au chaud. Allez, faites-moi de la nourriture. Les 200 de nourriture. Je fasse des maisons, hein. Le problème, c'est que j'ai plus de bois. Allez, il me reste 5 heures pour avoir du bois. 5 qui fonctionnent. Le bras zéro. Allez, allez, fumier. Faites-moi cette baraque qu'on n'en parle plus. Allez. Oh là là. Oh. Oui. La victoire nous appartient. Les réfugiés de la Nouvelle-Londres sont en sécurité au chaud dans leur maison. Et nous avons pris soin des malades. Derville est sur terre est tombée. Mais nous allons reprendre le flambant avec ses habitants. Bientôt nous retournerons dans ces ruines pour activer le générateur. Le ciel lumineux sera visible dans toute l'étendue. Toujours éclatant, mais moins froid. Beau travail. Et c'est la fin de ce scénario de Frostpunk! Oh putain de merde! Je suis content! Et oui, enfin, ça fait 40 minutes pour vous dire que je suis sur ce scénario, ça fait 40 minutes que je suis dessus. Honnêtement, même si ça fait même plus si on compte hier. Et enfin, nous avons réussi. C'était dur, je vais être franc, c'était compliqué ce scénario, et relativement compliqué, puisque déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la forme de la map qui est très allongée et très restreinte, le bois très limité, il faut ça. Et je trouve que en soi, si tu ne connais pas le scénario de base, c'est très dur de le faire. Honnêtement, si tu ne sais pas où sont les sources de bois, tu es très vite bloqué. Les mines, je les ai jamais utilisées parce que j'en ai pas eu besoin, c'est pour être honnête. La bouffe, t'es obligé de le savoir. Mais si t'as pas le bois, t'es très vite en fait. Au bout d'une vingtaine de jours, y a plus de bois. Y a plus de bois et donc tu sais plus comment faire. Donc voilà. On a pu assumer, on a pu faire notre avant-poste. Notre avant-poste a survécu. Il a logé 200 personnes. Avec du mal, hein. Il y a eu beaucoup de mal pour le faire, mais c'était très bien, c'était efficace, on a réussi, et c'est ce qu'il fallait. Voilà, c'était la fin du dernier scénario de Frostpunk, population 479. J'espère que cette série vous aura plu. J'espère que ce scénario vous aura plu. Je ne voulais pas vous laisser dans le vide et dans une défaite absolue. Cette fois, on a réussi. On a réussi en allant se faire foutre la Nouvelle-Londres qui m'a fait suer au départ et que j'ai vraiment voulu envoyer se faire foutre. J'aurais pu les sauver, mais je sais pas en vrai si j'avais le setup pour le faire.
limite, mais en soi, ça m'a fait plaisir. J'ai réussi à assumer, j'ai réussi à faire toutes les infirmeries, les maisons, ça s'est passé à pas très loin. Mais on a réussi. Sur ce, je vous fais à tous de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles séries. Et oui, sauf si de nouveaux scénarios apparaissent, mais ce, je ne pense pas. C'est la fin de Frostpunk, c'est la fin pour cette série-là. Je la referai peut-être en live un jour si je reprends les streams. Sur ce, je vous fais à tous de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zou.